Salut, c'est Naïmas et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va réaliser l'un des desserts préférés des Français, un flan vanille. C'est l'un des tout premiers desserts que j'ai appris en pâtisserie. Je vais vous montrer cette recette que j'ai améliorée afin que vous obteniez un flan onctueux. Pour la recette de notre flan vanille, nous allons réaliser une pâte à foncer, puis une crème à flan. Pour la recette, nous allons avoir besoin de farine, de beurre, de sucre semoule, de sel, d'œufs et d'eau. Pour la recette, nous allons mélanger notre sel, le sucre semoule, le beurre à la farine, faire sembler l'ensemble, ajouter les œufs, puis incorporer petit à petit notre eau pour lui donner la texture que nous souhaitons. Une fois notre pâte bien homogène, nous allons le laisser reposer environ 1 heure au frigo, puis nous l'étalerons. Notre pâte est refroidie, nous allons passer au fonçage de nos flans. Nos flans sont foncés, on va les réserver au froid et on va passer à la crème à flan. Pour notre recette, nous allons avoir besoin de lait, de jaune d'œuf, d'œufs, de poudre à flan, de sucre semoule, d'une gousse de vanille et de crème fraîche. Pour la recette, nous allons faire infuser notre vanille dans le lait, puis faire blanchir le sucre avec les jaunes, les œufs et la poudre à flan. On va réaliser une crème pâtissière. Une fois cuit, nous allons incorporer la crème fraîche. Une fois notre crème prête, nous allons la mouler dans les fonds de flan et cuire le tout à 180 pendant une demi-heure, puis 160 entre 15 et 30 minutes. Nos flans sont cuits, on va les laisser refroidir pour pouvoir les démouler. La recette est maintenant finie, j'espère que la recette vous aura plu. Mettez un petit like, ça fait plaisir. Abonnez-vous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.